monter, monter. Putain, gueule de bois, la con. Oh, mais c'est passé quoi hier soir, putain? Tavernier, mets-moi un grand shaker de whey, j'ai grand soif. Non. Tavernier, mets-moi deux shakers. Non. Tavernier, mets-moi un autre shaker. Oh putain. Ah, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas possible. Lâche les rivières du choléra. Nous ne partirons qu'à la force des baïonnettes. Oh putain de merde. Non. Wow, on est pas s'échapper. Wow. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Timo Jam et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Putain, je me suis bouché l'oreille. Ah putain, c'est pire. Ok les gens, tout d'abord, bonjour à ceux qui sont en train de comater dans leur lit à ce moment-là. J'espère que la soirée a été bonne. Aujourd'hui les gens, on a du lourd, du très très lourd. Donc surtout, n'hésitez pas à réagir et à commenter, à donner votre avis dans les commentaires. J'ai reçu une question énorme et sèche sur Facebook. Tiens, mon portable, il est où? Qui a volé mon portable? Bon, on va prendre l'ordi. Alors, damn Thibaut, j'espère que tu vas bien. Bien sûr que ça va bien. Le soleil est là, les petites aussi. Je suis allé à la salle, j'ai fait les pecs. J'ai encore une congestion de l'espace. Je vais aller prendre mon petit shaker de whey. Et je vais vous rencontrer au salon du fitness à Paris le 21 mars. Que voulez-vous? Que voulez-vous de plus? Sérieusement, retour à la question. J'ai lu un article comme quoi boire un verre de vin par jour était bon pour la santé, que ça pouvait même remplacer une... Attendez, il faut que j'arrive à coller le biceps pour qu'il soit plus gros. Voilà. Que ça pouvait même remplacer une séance de sport. Qu'en penses-tu? Merci encore pour tes vidéos et ta motivation. Boum. Merci du soutien. Alors, où est-ce que j'ai foutu ce putain d'article? Dossier, fichier... Ah, vidéo souvenir été 2014. C'est quoi ça? Oh merde, c'est pas ça du tout. Voilà. Il est dit qu'une étude sur le vin a été faite et qu'on aurait les mêmes bénéfices à boire du vin qu'à faire une séance de sport. Pour vous résumer, des chercheurs canadiens ont décidé par une belle après-midi d'automne d'analyser les éléments contenus dans du vin rouge. Et ils ont trouvé du resveratrol. Non, c'est pas le nom d'un Pokémon. Resveratrol. Mais un antioxydant qui va participer au bien-être du corps. Cette molécule va avoir des effets positifs sur le cœur, les os et surtout sur la partie la plus importante au monde, les bibis, aka vos muscles. Boom. Et apparemment, ça aurait autant d'effet qu'une heure de sport. Voilà ce que dit l'article. Donc si on arrête là, on n'a qu'une envie, c'est de sortir de la salle et d'aller se murger la gueule dans le premier bar qu'on croise à grands coups de rouge en espérant prendre de la masse. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple. Car si c'était le cas, je peux vous assurer que tous les soirs, je serais à l'happy hour en train de m'affuster la tronche en espérant devenir énorme. Never skip happy hour day. Et si on creuse, on gratte plus profond de l'article, on peut s'apercevoir que certaines choses semblent bizarres. Je dirais même plus étranges. Ce qu'il ne dit pas, c'est que cette étude réalisée par des Canadiens a été faite surtout sur des souris qui ont reçu de hautes doses de resveratrol. Aha! C'est donc la molécule qu'ils ont reçue à haute dose et pas le vin rouge. De plus, ce que l'article ne dit pas, c'est que le jus de raisin est aussi riche en resveratrol, puisque ça vient de la peau du raisin à la base. Et c'est sans alcool. Mais l'enquête n'est pas finie. Poussez-vous d'ici! Qu'est-ce qu'on a là? C'est bien ce que je pensais. Les gars, le mec qui a commis ça risque gros, c'est de la whey. Et ce shaker a été renversé. Un autre article explique qu'une étude américaine a été faite et qu'apparemment le vin n'aurait pas tant de bienfaits que ça. Pour vous résumer, ils ont analysé des Italiens dans une région productrice de vin rouge. Au final, ceux avec le plus haut taux de resveratrol n'avaient pas forcément une espérance de vie plus importante ou même de bienfaits sur leurs muscles. Donc si on suit les deux articles, en aucun cas boire un verre de vin va remplacer une séance de sport. Et en aucun cas, ça va vous rendre encore plus sec, encore plus massif. Rien au monde ne peut remplacer une séance de sport au temple. Rien. Mais ça n'empêche pas que boire un ou deux verres de vin par jour peut aussi avoir des points positifs. Ça va prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète, réduire le risque de production de mauvais cholestérol, augmenter le bon et avoir plein d'autres avantages. Après, ça ne veut pas dire que si vous ne buvez pas de vin, vous devez absolument vous enfiler un pichet à la fin de la vidéo. Mais dites-vous bien que boire un verre de vin par jour ne va pas avoir d'influence énorme sur vos muscles. Le tout sera de boire avec modération et de ne pas s'enfiler un cubi de villageoise à chaque collation. Ah, la villageoise, ça me rappelle les férias de Bayonne.
rentrer même si on a un rythme de vie assez strict. Entre l'alimentation et les entraînements au temple presque tous les jours, il ne faut pas oublier qu'on fait ça par plaisir. On ne cherche pas tous à faire des compètes ou à devenir Mister Olympia. Je l'ai déjà dit, mais perso je bois pas d'alcool. Sauf vraiment pour les grosses occasions comme les anniversaires, le nouvel an ou le pire, les embuscades. Mais au final, faites ce qui vous rend heureux, qui vous épanouit. Entraînez-vous régulièrement, mangez sainement. Et si vous voulez boire votre vin de vin rouge à table avec les haricots verts et la dinde, allez-y. Mais faites-le raisonnablement et je vous assure que vous arriverez à devenir énorme et sec. Et voilà les gens, pouce bleu énorme et sec en bas de la vidéo. Abonnez-vous, réduction complément alimentaire, lien en description. Twitter, Instagram, reste sur le doigt sale, vous êtes les meilleurs, boum. Dans la vie de tous les jours, tu es comme dans tes vidéos où ça t'arrive de te calmer. Bonjour madame, ce serait pour savoir si c'est possible d'avoir un pain énorme et sec.